politique capable de faire pile ici, pile fond ici, tout, prendre TV20 parce que faut que nous voyons que les candidats ont commencé à articuler le discours, ils ont commencé à être cohérents dans ce qu'ils ont dit, ils ont commencé au moins et comprendre la nécessité que la population a besoin plus de parole. Parce que je veux dire, maturité population, comment c'est fait? Il ne suffit pas pour un candidat qui a un homme qui compte parler bien, un messie ou un leader charismatique qui vous dit bon, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Je veux dire, il y a des questions que la population a besoin de connaître. Et là, je vais appuyer sous réseaux sociaux, puisque il y a des questions qui sont sorties sous réseaux sociaux, où est-ce des jeunes qui de leur pays a certes, qui a vivent dans des départements réclés, côté services sociaux de base, ils ne peuvent pas joindre. Donc, ils ne peuvent pas accès à qui, qui ont même posé des candidats à question. Parce que je dis à mes amis, en 21e siècle, côté nous en 2016, côté ces questions, et ça me capable les nouvelles technologies information, nous pas qu'à nous que nous vivons ni en vase clos, ni en autarcie, ou bien tout, nous ne pas faire des coopérations avec l'autre pays, nous pas venir avec un bagage tout fait. Mais où est-ce que poser des questions, moi des questions, pour qui ça, pays d'Haïti, pas capable, yon pays côté, li, gain économique qui permet que li prend soin, et population, côté majorité, c'est de l'aide au développement, nous pas joindre vraiment de aide qui aide nous en fonction de besoins. Je dis à fort candidat au clair sous lui, est-ce que nous ne pouvons pas vivre dans la situation de l'assistanat tout le temps, côté nous avons bol blé dans nous, y a ban nous, et nous-mêmes, nous pas même nous en quel tableau de bord de coopération externe, côté nous pas arriver dans nos niveaux, côté nous pas rendre compte. Et moi, tous les candidats, mettez en fil l'accent sur la question lutte contre corruption. Et lutte contre corruption, j'aimerais me dire, l'y passer par au renforcement de la justice haïtienne, puisque l'y pas normal, mes amis, pour vivre dans nos pays où vous avez des nègres qui sont impliqués dans la corruption, nègres dans toute l'ordre de l'État, et puis personne ne va arriver. Personne ne va arriver, depuis qu'il y aurait le livre, c'est persécution politique, depuis qu'il y aurait le livre, c'est forme technique, il n'y a pas aimé, c'est comme quoi que, il n'y a pas qu'à rendre compte. Et puis, il y a des nègres à tes bourreaux, je dis à la Ligue des anti-Jésus dans le crâne, je dis à Fox débat fait, pour discussion qu'a fait, je débat en particulier, population fait bon choix, mais rappelez-moi, et faut pas le voter pour ça, l'idée fondamentale, et clair, et cette question tout de authentification 4. Et moi, maintenant, dans nos magasins, si c'est vrai, et quand même, je ne sais pas si je suis en train de révoquer, mais Wilson Fief a mérité des détails clairs. Qu'est-ce que ça? Pour Wilson Fief expliquer comment faire à 9h30, 10h du soir, des mouns à présenter tête comme des agents de l'ONU, viennent à authentifier le cap. Et moi, je dis, c'est ma position, j'assume, au cas fini, c'est Russell, question authentifier pour faire qui ça? Parce que c'est élection. Chaque fois qu'on a dit une élection libre, honnête, démocratique, inclusive, participative, son genre d'où, son élection chapelle, puis qu'on est sous fin voter. Ou bien pas le voter, dit tout bon monde qui a veillé pour. Moi, je pense que les fondamentales gagnent des détails clairs qui pourraient être sous question de ça. Et c'est tout son ensemble. Ensemble, on veut dire que tout le monde qui n'a et machine, qui c'est des partenaires de la machine, je vois lieu. D'une manière que la population est capable au moins de faire confiance à élu. Et malheureusement, on a parlé d'élection, on a parlé de candidats qui ont fait bonne ou mauvaise prestation dans les débats. Mais je dis à la loi du Parlement, mes amis, et c'est pas tout le monde qui a totalement confiance. Et toute vision des nègres, à la forme d'aujourd'hui à la candidat, quand on veut voter pour moi, il va faire ça. Si on a un Parlement qui en face, qui a des blocs là-dedans, qui érige tête, en débloque le blocage, et bien, le président, ça fait bon problème, puisque personne n'est capable d'aider à télévision, sinon Parlement qui peut aider et voter budget, discuter, bien voter le budget, puisque l'homme n'a pas les audiences de questions éducation, l'organe des quantités et niveau d'échec que nous gagnons dans la question éducation, pour regarder l'argent qui alloué avec le budget. On donne des candidats qui ont mettre 20% pour l'éducation. Est-ce que je dis à la primature va d'accord couper dans le budget de fonctionnement? Est-ce que le palais national va d'accord couper tout dans le budget de fonctionnement? Tout ça, c'est un véritable débat. Bon, même faire un véritable round-up. Je voulais dire, pour finir avec Célissa, merci un peu à Gourgie à place qui fait débat ça. Et qui fait débat, ça permet que nous comprenions mieux, nous faisons des discours et candidats au mieux, parce que les gens sont trop secs. Candidat, ça y est au moins, tout même espace,
côté des typiques, on va pas parler comme détail, il y a des typiques, mais mettez en 5 ensemble pour faire débat, c'est une initiative va encourager. Et si des autres structures surtout voulaient encourager débat, faire débat ensemble pour dialoguer, pour discuter, ça a formé, hein, a formé conviction et des sciences plus toujours pour être capable de dire mieux choisi et choisi et puis bien toujours. Parce que bon, l'autre et épée Damoclès qui sous tête. Nous, ce n'est pas seulement question choisi, bien choisi, pas choisi, bien choisi, mais gagner tout ça, nous sommes capables de brûler question migration. Je dis à la plein pays là, en Amérique du Sud, là, qui commence à brûler en moins, où est le Panama là, dimanche, gagner une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, en Ben Kimoun, qui dit mes amis, et la brûler en moins, parce que un paquet de monde qui vient dans le pays et Panama n'a pas gagné rien vrai. Pour recevoir tout le monde et aller dans le pays Panama, qui ça y a le régler, qui ça y a le faire comme travail. Est-ce que le travail y a le faire dans le pays Panama? Nous ne pouvons pas faire ici en Haïti. Ça, tout son gros débat. Nous souvent dit en Haïti aujourd'hui que voyager à son luxe, et n'est-ce pas comme dans le voyage, mais les n'est-ce pas bon, m'a quitté le pays parce qu'il n'y a pas au prix moyen. Et pour commencer à poser cette question, est-ce que y a même toujours pris le pays en bagage? Parce que les n'est-ce pas arrivé. États-Unis d'Amérique, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent passer mon dans un restaurant, ils peuvent la laver assiette, ils peuvent faire agent de sécurité, non manquette, ils peuvent. Mais ici en Haïti, est-ce que niveau de complexe qui existe la Galia avec le passer mon dans un restaurant en pays, est-ce que l'assiette pour le travail comme agent de sécurité? Bon, ça, c'est tout un débat. Est-ce que le bras d'accord pour le travail dans le salon de coiffure? Est-ce que le bras d'accord pour le travail la tête? Que l'IP a d'accord fait et en République dominicaine, que l'IP a d'accord fait tout aux États-Unis, puisque il y a des employés saisonniers qui travaillent aux États-Unis d'Amérique, surtout en Floride, côté Al-Nakéito. Mais est-ce que l'IP a d'accord fait ici dans Haïti? Regardez la quantité de régions métropolitaines qui fait grandes villes au Cap, au Caï, Port-au-Prince, qui ont dit en tournée au capital administration, qui est 50 têtes, 20 pieds, 12 mètres. Nèg qui vin émerder la République, côté le vin vendre tout l'autre belle, il vin vendre pas d'âme, il vin faire des l'autre travail, mais l'autre parle avec nèg soit dit, mais attendez, non, et qui va régler, nous qui va sortir, et un jour, nous sortir Jacques Meloui, ou bien nous sortir Eléogane, ou bien nous sortir Plateau Central, et puis nous sommes grands dons dans le pays, nèg la fille a besoin qu'elles sont grands dons dans le pays, pendant qu'elles quittent Théa. Dans le pays, il a calé, il n'a pas fait manger, mais tout ça, pour à un grain, c'est l'État qui va porter services sociaux de base pour nous. Puisque l'on a notre déchet, notre coucou, des zones très reculées, et puis il n'a pas jamais joué aucune assistance l'État. Donc, même pas si c'est l'État, pour l'État va identifier. Il a besoin aujourd'hui un passeport, je dis, moi, je viens sur question immigration, oui. Si nous avons passeport, c'est non. Port-au-Prince pour le monter. Et des fois, l'immigration est tellement rage, il va rendez-vous dimanche pour le vivre passeport. Et l'immigration même liée. Mais quand on travaille dans l'immigration même liée, parce que si on fait ce travail là-dedans, pas travailler le dimanche. Donc, il va rendez-vous dimanche pour le vivre un passeport. Il a besoin de carte d'identification nationale, c'est dans Port-au-Prince pour le Michel. Quelque chose qu'il a besoin, c'est dans Port-au-Prince pour le Michel. Donc, il n'y a pas l'autre choix. Il gonfle dans Port-au-Prince puisque c'est là Eldorado et dans Port-au-Prince. Et là, il vient dans Port-au-Prince, il y a des gens qui ont dit que Port-au-Prince est des trois mouns. Port-au-Prince, pas qu'à Québec tout comme ça, donc il vient parti. Et là, il n'a pas dit, il vient, il n'a pas gagné le courage pour l'expliquer à cousins, amis, frères, sœurs, vraie réalité que le saut vive ou bien que le tap vive dans le pays. Il dit, ah mon cher, vous venez, il va travailler. Mais dis-le, qui quantité mise, elle va se. Il dit, ah mon cher, vous venez aux États-Unis, même si vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas fait, il y a bon job, et puis les gars, vous n'avez pas un problème. Moi, je vais vous passer par le Brésil, je vais vous passer dans plusieurs autres pays, dans l'Amérique latine, pour me capable de vivre aux États-Unis d'Amérique, puisque les arrivé là, l'État prend en charge, ou bien ma prend 4 prisons, ma prend 7 prisons, mais je ne vais pas. Il y a un problème, c'est pas si à loin de cette île. Mes amis, il faut que nous commençons à comprendre que si tout le monde sait à partir qui est pays, à qui ça n'a prêté comme ressource? À qui ça n'a prêté comme ressource? Le nom pays côté, jeune, il n'y a pas de loisir. Parce que 25 dernières années, on m'a dit que 25 ans de pays, il n'y a pas de dire qu'on fait le cinéma si c'est pas le République Dominicaine l'année, non? Ou bien si c'est pas dans le film, regardez, au monde qui n'a pas le cinéma. Il n'y a pas de loisir, non, sinon qui sont. Donc,
Je dis à tous les gens qui font des bas, qui font promesse, qui disent oui, votez, faut que vous commencez à comprendre que le pays, c'est un pays malade. Son pays, côté, si pas de stabilité politique, côté, nègre, lui, monter sous pouvoir, je dis, hein, de mettre des oppositions destructives en face de lui. On met des destructifs parce que la majorité oppositionnaire, ce n'est pas genre des oppositions constructives, c'est des oppositions qui disent, au toit de là que je m'y mets, ma critique, on va se mettre dans ce gâteau dans le bouchouet, mais comme on s'y met dans le bouchouet, tout va bien. De la République va bien, on a brûlé sur des pétales de rose, on a mis des gants de velours, donc c'est là-bas. Donc, il faut que stabilité pour au moins 5, 10, 15 années qu'à venir, nous allons sur. Mais quel que soit mon capteur là qui n'a pas dépassé le plateau central, côté, moi, bien si tu as sous toi radio, tu comprends que 50 pas venir là-bas, il y aura le facile, si choix va bien fait. Tu comprends que dans 50 pas venir là-bas, au président de la République, cap monté, puis le tiro dans le salaire là. Tout ça, on est dans le couche là, nous niveau, ou bien non l'autre, de vos responsabilités des gens dans l'État. Nous avons une responsabilité des gens dans l'État, c'est comment se poser cette question pour demander qui ça y est. Est-ce qu'ils ont été bien gérés? Parce que si la justice paye ça par faute, nous ne privons qu'un côté. Bon, je me suis ça pour question d'immigration. Il faut que je dise que moi, j'ai un souk et pied qu'a fait, là, j'ai un marché pressé qu'a fait. Je vais vous deux questions. Pour qui ça, immigration, paye, on contribue à ce qui vient. Mandons un passeport, rendez-vous dimanche, alors que immigration pas ouvrir le dimanche. Pour qui ça? Et sous mon si n'a commencé à dire c'est pas vrai, moi le poster rendez-vous à tout l'heure comme ça sur Twitter moi à commercial Tatiorion et pas là tout moi le poster tout sur Facebook là. Pour qui ça immigration va me rendez-vous dimanche alors que bureau pas ouvrir le dimanche. D'arrêter tout poser directeur général immigration question, mais c'est mon plaisir ancien député Nixa. Moi, je viens de la commune, ancien député ça, avec petit chapeau, ça toujours en bas, qui voit lui dans l'immigration? Qui voit lui, qui ça l'a fait dans l'immigration? Qui voit lui, qui ça l'a fait? Monsieur son ancien député, qui voit lui, qui ça l'a fait? Est-ce qu'ils sont consultants? Est-ce qu'ils sont contribuables? Qui ça l'a fait? Et pour qui ça, jusqu'à présent, l'immigration toujours pas qu'à délivrer passeport extrême urgence à temps. Est-ce que c'est livré vrai de pagué? Est-ce que bon quantité livré? Et pour qui ça? Je dis, la question m'a posé, si il y a 20 000 gouttes, 25 000 gouttes, nous sommes dans l'immigration. M'a rejoindre passeport non, pendant que l'on passe dans le circuit normal ou pas joindre rien. La pause, on revient après avec nos invités. Anthony Dessous de Famille Lavalade. Pour qui ça, Marise Nassis parle dans le débat? Je dis, et est-ce que Tite a en forme? Est-ce que l'état santé est correct? Nous parlons de tout avec un responsable de PHTK, qui c'est M. Rénal Libéris, avec le dernier. C'est un débat ensemble, mais tout ça c'est après tout ça. Débat comment ce matin? Hein? Débat comment ce matin hein? Et bon et c'est comme ça nouvelle c'est pas faute moi Haïti aujourd'hui a mélangé dans même jeudi bon candidat à la présidence il a fait bon et Anthony Dessous de Famille Lavalas et puis monsieur Rénal Libéris de PHTK débat pour l'animer puisque gagne débat est clair faut me comprendre avec monsieur Dessous et monsieur Libéris pour laisser garder programme un tout petit peu puisque même moi dit c'est pas dit que mon monde me force souterrain mais faut que me connaît me va le beau pays pendant 5 ans moi me garder thème qui est Québec ma cœur ça me dit question santé éducation environnement et garder miel dans moi puisque me pas comprendre que Port-au-Prince pas ca supporter trois chèques pipi voix pour toi souris lit et gain problème bon monsieur Dessous bonsoir comment y est pas bien mal non l'entend doit parler hein madame Rouillon enfin Tamara et déjà on va voter Famille Lavalasse ça fait ça ah ben thème ou dit qui important c'est le programme là OK ouais ça fait en tout cas moi pas bien mal et si mon besoin gain nouvelle l'autre monde tout vous connaissez oui est-ce que père en forme li en forme hier encore parlé avec monsieur et li reprendre vraiment reprendre mais vous ne m'avez pas sucré pour lui
Bon, et écoutez, moi-même parlant, monde qui vraiment proche de question ça avec lui, même penser c'est ton bagage effectivement qui pas dérivé pour un monde faire une journée sans manger. On journée la carrière sans manger, bon, c'est pas ça grave, mais là on en activité, on va bouler calories, on va dépenser énergie et bon, à la limite n'est qu'à dire sacrivia, c'était prévisible. Mais grâce à Dieu, reprise en fait assez rapidement. Okay. Et d'autant plus que le lendemain, non seulement monsieur était rencontré, président était rencontré avec Aristide, était rencontré avec la presse, mais il était continué fait tourner avec nous. Il fait Nord-Est-Land, Trou du Nord, Wanamet, Fort Liberté. Il rentrait dans la nuit sur un hélicoptère, puis le lendemain dans le plateau central l'Alverinche, il fait mis en balai, donc monsieur en forme. Très bien, monsieur en forme, puisque moi me dit que question maladie me prend ça à cœur et malaise ancien président Jean-Bert Aristide là, ben moi on l'idée en plus faut que mes amis nous renforcer capacité d'accueil l'hôpital nous, parce que si pas de l'hôpital Justinien, si le bail ça te prend li on ti gens loin. Il te prend l'asile la caille moi. Troisième section communale, non Pascal, mais non courir. Donc t'as non courir. Moi ma voix t'as non courir. Les t'as non courir, puisque pas dans l'hôpital dans zone ça. Bon, bon saluer Renal Liberus. Renal Liberus, comment est? Bonsoir Madame Orion, bonsoir Monsieur Des Sources. Ouais. N'a pas bougé, n'a pas frappé. Et bien content que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide rétabli. Et n'a tout conseillé et ancien président, M. Dessous, qui a fait nouvelle la passée, c'est ancien président pas. Et comme à l'écoute. Et à l'écoute. Que l'élevage dans le meeting, ça y est, parce que parfois, bagaille au loup ou à marcher au baguette pour manger. S'il mange quelques bananes, fig banane avant la vie, il est capable de résister parce qu'il y a un pile de vitamines, il y a un pile de sucre. Bon, et donc là, bon, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Bon. On a regardé, M. Dessous, grand pile discussion qu'a fait, grand pile débat sous Maryse Narcisse comme candidate, que yo estimé que son candidat qui besoin aux épaules qui pour aider le poté, aux épaules qui pour soutenir. Comment articuler ça? Comment est-ce que c'est vrai Maryse Narcisse son un monde qui besoin un monde qui pour aider? Écoutez, moi je pense que le monde qui a fait réflexion ça, c'est justement par le fait que nous-mêmes en Haïti, par rapport à culture politique, nous, question de président, enfin de président sans, c'est un monde. Alors que, au fait, il n'est pas nécessairement ça. Et d'autant plus que, au niveau de l'organisation, nous, famille Lavalas, notamment dans le comité exécutif, là, que membre la donne, et son leadership collectif qu'a mené. C'est pas un monde qui est censé gagner et responsabilité à sous dole, non. C'est une équipe qui l'a. Maryse Narcisse, le candidat à la présidence pour l'organisation famille Lavalas, mais c'est pas Maryse Narcisse qui, pour contre gain, pour mener toute bagaille dans le cadre, justement, programme que vend la population en Kounia. Naturellement, c'est lui qui est au devant de la scène. Donc, c'est normal que le gain, pour le sortir, pour le rencontrer avec moun librement des votes, pour le cap dire, bon, moi-même, si nous bon vote là, mais qui ça m'bra le fait avec lui, pour nous, pour payer, hein? Donc ça, c'est lui pour faire. Et équipe là, même si le gombo équipe d'elle, équipe là capable d'alimenter la présentation là, bien pour le faire. Mais c'est lui qui gagne responsabilité ça. Mais Kouem Djou, c'est un leadership collectif. Maryse Narcisse, président de la République. La bonne belle équipe d'elle qui a soutenu. Non, non, non. Accompagné. Oh, ok. Bon. Pourquoi ça prend un débat à souhait? Bon. Réponse que je dis que c'est qu'il n'y a pas de priorité pour aujourd'hui. Je ne sais pas qu'il a invitation à te venir. Je connais seulement que le fait qu'on est, que le pape Kala. Est-ce que c'est il y a de cela 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines Je ne sais pas. Mais c'est juste une question de priorité. Moi, je crois que. D'accord, dit qu'on question de stratégie tout là-dedans, entre autres. Ok. Supposons mais que. Mais parce que tu peux avoir la cavelle sur le là. Voilà. Pas fait ça. Non. Et président Aristide pas candidat à la présidence en 2016 pour l'en parler en 2017. Candidat à la présidence, Fami Lavalas-Sall, le docteur Maryse Narcisse. C'est Maryse Narcisse qui gagnait mandat pour lui rencontrer avec population, pour lui présenter
programme que famille Lavalas gagne pour quinquennat que Eural Bali. Président Aristide, quoi? Que c'était moi-même, j'étais chef campagne, quoi? Gérard Gilles, quoi? Docteur Chilet et d'autres cadres de famille Lavalas, y'a qu'à accompagner lui. Et par rapport à talent que chaque monde gagne, ou capable, on bourrade des capacités. Oui, mais ça, talent. Bali. Oui, mais c'est mais exact. Ça, non, d'accord, talent. Et le ça, ça ne veut pas dire que c'est Mouna qui remplace elle. Okay. Et pour le cas précis de débat, jeudi, Mdabdi, jeudi, il était préféré probablement, dans le cadre programme campagne, rencontrer avec des populations que la bonne. Programme que le gain pour le vendre. Très bien. Monsieur Liberis, on nous essaie de garder nos. Je dis à la candidat a avancé, li a pu rencontrer un peu le monde, il était dans le débat, mais nous pouvons arrêter sur le débat, non, puisque nous connaissons de voir JAP dit depuis le poco diffusé, nous paraît droit analyser et discuter sous lui. Seulement, faire référence que Mme Narcisse paraît pour une invitation, puisqu'elle était sous affiche, là, mais nous pouvons commenter le débat, nous pouvons arrêter plus sur le programme candidat. Je veux dire, candidat là, li a avancé avec campagne électorale, li, et libéré le combat est sous tête de l'acte du oui, en question UCREF, plusieurs comptes en banque, l'argent qui a blanchi, corruption. Est-ce que ça y est, par anti-jean, comme moun qui a fait boxe, qui a fait prendre la pile faille, côté Livine, anti-jean affaibli dans le sondage? Je souhaite que le candidat n'a pas donné pour me faire révélation, je vais le faire là. Tamara, merci pour la question. Tu vois, notre pays, souvent nous on dit que ce pays-là produit des gens valables. Mais parfois, en fait, il produit aussi des rien du tout. Comme on a dit pour le monde, mettre sonner le Jean-François, la guitare qui dans ça. Qui est développé. Qui on a dit pour, bon, monsieur Privé, ok, il y a un passé politique, li, c'est un monde qui était servi l'État, bien ou mal, il était servi l'État. Et qui on a fait pour le monde, monsieur Privé, la guitare qui est là, Tamara Mbalzo, la vérité, je ne vais pas parler de ça. Quand tu as dit qu'il fait 5 millions de dollars américains, quand tu as dit qu'il fait 5 millions de gourdes. Donc on va, comme si vous avez utilisé UCREF pour faire une enquête sur Jovenel entre 2007 à aujourd'hui, un homme d'affaires qui a un paquet d'industrie, mais pour dire que vous prenez pour une banque. Mais c'est, bagala, il est plus profond que ça. Au fond, une révélation là, oui. Ah, mais oui, pour une banque. Mais c'est la banque qui a capté là. Monsieur, tu vois ça, Biden, ça. Normalement, il y a un problème éthique. Mais admettons. Mais c'est pour une banque. Attendez, Tamara, c'est sérieux. Non, c'est sérieux parce que le monde tellement parlait de ça, monde tellement propagande. Non, qui t'aime fin dire ça m'a dit. Qui t'aime fin dire non, qui t'aime fin dire ça m'a dit. Parce que pour nous, il y a bien entendu. Pour une banque, pour une institution qui crève, pour un monde qui met sonner Jean-François, décider, font un rapport, pour dire que, pour conclure, il serait possible que Jovenel Moïse blanchisse de l'argent, ou bien gagne l'argent, pas gagnant avec activité, pour, comme ça, il y a parlé 5 millions de dollars américains entre 2007 et 2013. 5 millions de gourdes parce que le compte est en gourde. Alors, ces pays, ça n'a produit, c'est ça, on a besoin. C'est ça, donc, il y a 5 millions de gourdes là. En dollars, pour dire que, à gosser l'argent ça, à gosser tonton l'argent ça, mes amis, effectivement, il serait possible qu'ils blanchissent de l'argent. Alors, c'est ça, nos institutions. Comme si vous pourriez pouvoir vous faire avancer à là. Absolument, Tamara. Rénal Lubéry serait parlé. Et si aurait les nous, n'a pas porté le vini. Rénal Lubéry serait parlé. Donc, qui est-ce qu'il a parlé déjà? Est-ce que si aurait les nous, n'a pas porté le vini? Rénal Lubéry serait parlé. Comment Alkibo? Même quand tu prends information, mais ça que tu as supposé faire. Et c'est pas un dossier, c'est un dossier personnel quand même, c'est pas mon dossier, mais ça que tu as supposé faire. Tu as supposé, en fait, traduit à la fois UCREF, donc directeur général UCREF là, banque qui bat information pour faux et usage de faux, pour calomnie, voilà, c'est ça. Et si quelqu'un n'a pas payé à mon sérieux, que Kounia a vérifié samedi et que traduit mon sérieux en justice pour faux et usage de faux, c'est ça la question. Donc soyons sérieux, on ne parle de problème peuple là. Vous en connaissez, combien qu'on a banque ligue? Je ne sais pas comment on est en banque. Mais l'essentiel, en fait, moi, je pense que un monde qui a une entreprise, qui a une firme, chaque firme a un compte en banque. Mais combien de firmes il y a? C'est ça, je ne sais pas. Les plus connus, Libolité n'a pas d'agritance encore parce que j'ai démissionné. Il y a Joma Autopath, il y a un autre cap qui est dans le domaine de l'eau, il y a un cap exporté piment.
il y a une qui dans question poulet et chair de poulet etc. C'est un homme d'affaires. Donc l'organe pour faire ça dans institution franchement et puis pour gagner des candidats à la présidence qui a utilisé ça comme argument, c'est pitoyable. Bon. C'est le seul mot que ça m'inspire. Bon, et on va essayer d'avancer, mais on nous garde. Tout à l'heure, moi dit que il y a des dossiers qui sont mes marqueurs, qui sont question éducation, la santé, okay. Environnement, mm-hmm. Et qu'une adduction d'eau potable qui vient. Et tout ça qui sont en etc. Et on va parler de services santé. Non, on a parlé en termes de santé, en termes d'assainissement. L'autre jour, on était obligé de faire, on était l'en tourner dans le nord. Et puis, moi, je vais au Cap-Haïtien, et qu'on spectacle, tombé sous lit, de signaler le Cap-Haïtien, la deuxième ville en importance en Haïti, première ville touristique, et puis, c'est sous immondice seulement, mon ami. C'est pas possible, c'est pas croyable, c'est, de même, font appel aux autorités centrales pour te venir en appui à, administration communale, là, pour voir comment t'as aidé à gérer la situation, ça. Gagnent on allusion fait à au fait que c'est avec famille Lavalas une game plus gay, bah, famille game, nous avec Lavalas une game bidonville à Port-au-Prince, mais n'a pas rappelé l'histoire. Dis-nous que moun vin kite province pas con et pas macon et le que Duvalier était au pouvoir et chaque fois qu'on a fait manifestation 22 mai. C'est ça. Fait un paquet de monde rentré. Tout sauvé. Bon, pas sauvé, il y a deux fois qu'on a le chercher, et puis là, pour retourner, il n'y a pas de transport pour retourner, donc tout était là. Et question environnement, c'est une question qui touche nous à cœur. Pour deux raisons. Première, compte tenu du fait de l'option famille Lavalas, et ça, nous allons nous cacher, si nous avons parti pris, c'est pour les gens qui sont censés défavoriser, démunir. Ça, c'est. Et c'est ça qui fait peut-être que. Le gagnant élection, nous connaissons gagne faveur de majorité. Et nous pensons, fois sans encore, nous avons gagné faveur majorité. Ça fait que, non seulement, nous avons veillé à ce que les gens qui vivent dans la montagne, qui ont gagné tendance à couper pied bois pour être capable de vivre, n'a pas cherché moyen pour nous comment nous capable permettre de joindre d'autres activités pour yo pas faire coupe bois parce que coupe bois l'elle fait li crée érosion qui vient fait que tout investissement fait en bas maintenant que c'est infrastructure que c'est agriculture que c'est système d'irrigation qu'on a metté yo tout ou perd du investissement qu'on fait donc on a intérêt protéger ça on gagne en amont fait que coupe de bois par en activité qui capable fait que érosion vient augmenter, fait terre dégrader et fait que le gain la pluie ou vient gagner de l'eau qui descend qui a détruit toute bagaille en bas. Nous rappelons que présentement nous entre 2 à 3% de couverture forestière. Si nous pas fait ont des interventions pour régler question ça, bon garantie que d'ici les 10 ou 15 ou 20 prochaines années, m'a dit que Haïti a disparu. Non, nous pas dit ça, mais la vie serait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est déjà présentement. Et l'autre question qui fait que l'environnement est important pour nous, c'est que nous fait de l'agriculture, dit secteur prioritaire pour nous. Pour une raison simple. C'est le secteur que nous pensons qui est capable de permettre nous, non seulement, vient gagner en croissance économique assez intéressante et li cap permettre nous augmenter pourcentage dans le PIB mais c'est surtout secteur capable permettre nous créer le plus d'emplois. À preuve c'est que grand pile haïtien qui compte quitter Haïti pour aller caï voisin qui côté al travail c'est dans jardin al travail. Tout à fait. Travail et on va faire on va faire là n'a chercher stabiliser population noire à partir de et secteur ça que nous dit nous a priorisé et dès qu'on parle de agriculture ou obligé ou besoin de l'eau pour faire pour gagner de l'eau faut que bassin versant yo bien boisé hein faut que ou empêcher que dégradation environnement li avancer pour capable joindre de l'eau pour arroser jardin et comme c'est moun qui intéressé nous
n'a pas cherché croissance économique là, nous pas chercher elle pour un petit groupe non, n'a pas cherché croissance économique pour développement humain, pour que tout le monde capable fonctionner comme un monde. Et à ce compte, santé, j'en t'ai dit tout à l'heure, éducation, d'ailleurs, nous fait preuve là. Nous avons rappelé que la Lavalas est arrivée sous pouvoir, peut-être première fois, si nous à une vingtaine de lycées, le NAP quitté, nous était à 100 et pique. Très bien. Et donc, c'est un secteur qui naturellement intéressé parce que, ou quand dans des expressions, investi dans l'humain. C'est un bagage qui est fondamental pour nous, puisque c'est le monde qui lance tout ça que nous avons fait. Investir dans l'humain. Oui. C'est le monde qui intéresse nous. Donc, question d'éducation, il est passé. Et tout de suite, nous avons dit, après secteur, que nous dédie qui priorité à agricole, parce que nous besoin production, nous besoin croissance, nous besoin créer emploi, hein, et éducation, hein, et puis bien sûr santé. Bon, ça nous dit juste pour la forme, non, pour deux raisons. D'abord parce que nous considérons que pays noir malade, vraiment Haïti très très malade, et nous dit le programme que nous gagnons, bah nous 5 ans nous pourrions le traiter malade là. Et puis bon, quoi dit lui, et son docteur qui est candidat à la présidence. Nous avons un programme qui est très bien articulé, mais qui est centré surtout sur le monde. Très bien. Et monsieur Libéris, même question, environnement, et candidat ou d'elle, lui, et gain héritage. Équipe qui t'est passée, hein? C'est vrai que même d'aller abdi pouvoir PHTK, moi, bah, qu'on PHTK au pouvoir, honnêtement, dès qu'on a une équipe tête calée à ton pouvoir, là, c'est PHTK, c'est ça? C'est ça la différence? Oui, la différence, c'est ça? Ou bien ça, abdi, ça me répète tout? Non, bon, bah, c'est pas bien aimé articuler, parce qu'on connaît, nous, on charge que n'a poté, qui c'est? Je dis un héritage équipe qui se passait à qui lui-même t'a gagné là-dedans 5 E. Et parmi E, ça y est, c'était environnement. Je dis un, dans le niveau, PHTK, comment nous articuler et discussion nous dans la question environnement? Déjà, concernant PHTK, t'es au pouvoir, pas au pouvoir, parce que, il y a une lecture erronée. Lecture erronée, peut-être que y en a une raison qui a expliqué ça, c'est faiblesse sciences humaines et sociales, notamment discipline et les sciences politiques là dans la société. Le PHTK a formé en 2012, le président Matéli est arrivé en 2011, et nous connaissons dans quelles conditions le gouvernement président Matéli a été formé, c'est-à-dire avec plusieurs partis politiques, parce que l'élu avec deux ou bien trois députés, ou tout au plus. Et donc, tout le monde qui comprend le sens humain et social, tout le monde qui comprend le sens politique, tout le monde qui connaît analyser formation gouvernement, ils connaissent pas un gouvernement patilier. Tout le monde qui cap suivre les débats politiques là, tout le monde qui connaît patilier les fusions, tout le monde qui connaît unité, qui te gain poste, dans le gouvernement, tout le monde qui connaît, Pas du tout. Non, mais pas le, une chose à la fois. Madame, vous posez une question. Oui, j'y répondrai, mais je termine avec mon argumentation première. Oui. Et donc, dire que c'était gouvernement PHTK, je pense que c'est une lecture particulièrement erronée et que qui pas baïti mon leçon permet de comprendre réalité politique là. Réalité politique là, c'est qu'en fait, monsieur Matéli n'a pas été en mesure de gouverner seul. Monsieur Matéli, pour faire son mandat, a dû faire appel à l'ensemble de la classe politique et qui a participé en fait aux différents gouvernements. Maintenant, dans le cas ça, il y a à la fois passif et actif et candidat. Donc ça veut dire qui ça en fait. La responsabilité aujourd'hui, c'est une responsabilité collective. C'est trop facile pour un fin passer tout le temps au ministère des Affaires sociales, pour passer tout le temps au ministère de l'Intérieur, et puis à un moment on dit que ah non, pouvoir ça, c'est des pouvoirs PHTK. Donc c'est pas sérieux, donc moi c'est que peuple a pris notre peuple a compte ça, c'est ça que fait peuple a baillé PHTK plus député, c'est ça que fait baillé plus magistrat, c'est ça que fait Libali, il est candidat par là, il bat 53 candidats dans l'élection que force fait noir écrasé, hein, parce que peuple a comprendre que la vérité est du côté du PHTK et non de l'autre côté. Aujourd'hui, ça que passé, ou gagne une coalition qui monte dans le Parlement, PHTK a gagné plus député, gagne l'autre député à l'Ecladon. Si gagne député, pour une raison ou l'autre, qui gagne mon gouvernement, monsieur Inex Inchallah, peut-être, mais PHTK en tant que parti politique, pas gagné mon ladon. Pour une raison simple. Si PHTK a gagné mon gouvernement, PHTK a participé dans la discussion pour faire mes gouvernements, PHTK a désigné mon gouvernement. PHTK n'a pas participé ni dans la discussion, qui mettre un monde quiconque en défi pour dire que qui le
et qui est-ce dans PHTK qui a participé dans une quelconque discussion dans le cadre de formation gouvernement qui vient là. Donc PHTK n'a pas de monde dans le gouvernement. Oui, pour répondre à la question de l'environnement. Ou bien deux phénomènes majeurs en fait qui écrasé pays aujourd'hui là, c'est question érosion, donc question pieds bois qui coupait toute tête monio qui desséchait et puis question gestion des déchets. C'est deux problèmes ça qui ce sont deux problèmes et écologiques en fait, deux problèmes environnementaux par excellence. Jovenel Moïse dit que pour le résoudre problème et érosion, il y a deux actions principales en fait et la poser. Première action, c'est développer un vaste programme de reboisement côté que l'a impliqué écolier ou la donne. Côté que intégrer dans curricula, il y a une note pour reboisement qui fait que là on timon à l'école, même j'en fais note dans mathématiques pour passer, faut faire note pour compréhension de l'environnement, il faut faire note tout pour quantifier bois échappé. Si par exemple, il y a 100 pieds bois pour chaper, et pour chaper là-dedans 20 pieds bois, eh bien, ça a fait 20 sur 100. Donc, c'est intégrer problématique environnementale yo, dans le curricula, dans la culture. Moun, yo, parce que, il y a des gens qui coupent pieds bois pour rien. Il y a des gens qui coupent pieds bois pour faire charbon. Mais il y a des gens qui ont passé là, il y a des gens qui ont manifestations qui ont fait le passé, ils ont cassé, fait pieds bois, etc., ils ont maltraité pieds bois. Donc, il n'y a pas nécessairement une bonne culture environnementale. Donc, c'est inculqué à travers l'école, une culture environnementale, côté que, si les gens connaissent que l'environnement c'est précieux, l'environnement, il faut que tout le monde y participe. Maintenant, la question des déchets. Je dis à là, où gagnent un déchet qui gagne presque 70% et matière organique là-dedans. Reste là, où gagne par exemple, bon, bout de fer, mon yo prend tout bout de fer, ou qu'on y a pris au vent, ou gagne matière plastique, etc. Donc, c'est mettre institut, en fait, des centres, en fait, de compostage pour capable transformer à la fois en partie dans déchets ça pour transformer en gaz, en méthane, notamment pour capable bailler et ménager, mais en même temps, l'autre partie pour utiliser le comme engrais pour faire jardin. Donc c'est faire en sorte que déchets représentés, je veux dire, on menace transformer en opportunité. De l'eau cap descend, les lapis tombent, tout à l'heure dit que les lapis tombent effectivement ou gen doit sortir là, on tire la pour pas moi qui les lapis a tombé puis de l'eau passe comme si de l'eau envie botter machine nous. De l'eau ça c'est maîtriser, c'est gérer. De l'eau à un côté l'a sorti, de l'eau ou capter de l'eau ça et puis laisser sécheresse ou utiliser. Donc a fait un paquet de travail avec de l'eau. Donc je veux dire de l'eau ça le gaspiller, elle tomber dans la mer, puis l'app descend, il tout passer tout, il ravager terre. Décaler toute tête monio. Donc c'est arriver dans une situation côté vous faites des barrages en fait et en terre battue côté que barrage ça les lapis tomber ou de l'eau ou capter de l'eau les sécheresses arriver à travers soleil là ou utiliser pompe solaire pour capable arroser jardin. C'est ça que fait Jovenel Moïse dit que il va utiliser soleil là comme énergie, il va utiliser force de travail monio, il va utiliser terre pour capable redémarrer pays ça parce que nous qu'a fait gros rêve. Mais si nous pas garder pour nous qu'est-ce qu'il y a comme ressource en d'un pays ça pour nous développer, si n'a pas tant la charité blanc, si n'a pas tant aide publique au développement, nous fait carrément des, si n'a pas tant ONG, peut-être que les ONG sont très utiles, l'État défaillant, mais les ONG, l'aide publique au développement ne développera pas Haïti. Si l'aide publique au développement pouvait développer un pays quelconque, ça se saurait. Et j'ai pas d'exemple en fait, on côté l'aide publique au développement, développé un pays à part le plan Marshall qui a bien marché en Europe parce que c'est dans un contexte historique particulier. Très bien. Et d'abord, regardez qui ça et qui dit que ingénieur de Sousse pas d'accord. Bon, à titre de rappel, deux invités, Anthony de Sousse de Famille Lavalas et puis Monsieur Renal Luberis de PHTK avec yo. N'a fait débat, c'est pour nous montrer que au-delà de toute divergence et là nous avons dit ça dans pause là. Toute divergence de vue que nous avons gagné, nous chaque fois, mais dénominateur commun, c'est Haïti, puisque nous chaque d'accord que Haïti est pour nous. Donc, c'est Haïti est pour nous, nous obligés à articuler des marches, nous, actions, nous, non sens pour Haïti à aller bien. Nous avons des positions de partis politiques sur question environnement, même débat, monsieur Dessous, sa parole en vain, et monsieur le libériste en chéri. Après, nous avons dit, nous avons dit, dans la question environnement, qu'on estime qu'on pas d'accord. Non. Je veux juste seulement signaler que question environnement, c'est vrai que le dit deux bagailles qui fondamentales et ce point ça nous d'accord, c'est traitement gestion des déchets et puis question de arrêt de dégradation. Environnement, c'est coupe de bois, reboisement et participation timoun dans la question. Mais moi je crois que si ou prend bas en bas, intérêt en bas, j'aime d'abord dire tout à l'heure,
question de l'agriculture nous prend comme secteur prioritaire. Nous, même, nous connaissons, ou t'as parlé de banane tout à l'heure, bon, c'est dans le secteur un petit peu, mais nous-mêmes, nous faisons vraiment priorité de l'agriculture en priorité, nous. Et depuis au moins ça, on est obligé de garder en haut, et c'est ça qui est fondamental. Parce que, pour production que nous avons besoin, si que t'es qui irrigable, nous pas arrivé joindre assez de l'eau pour nous irriguer, on pas croire que ça n'est pas attendre d'investissement n'a fait dans le secteur ça que n'a besoin ni. Donc ça veut dire que dès pour démarrer en bas, en haut, pour obliger absolument faire intervention pour faire là dedans. Ça me pas d'accord, c'est parce que bon moment à moins que me t'ai mal interprété ou dit monio yo pas connaît importance environnement. Pas connaît si me bien saisi. Par exemple les paysans qui ont coupé pied bois, c'est parce qu'ils ont besoin. Et c'est ça que Fendé dit, n'a pas cherché créer d'autres activités pour les gens qui vivent de coupe de bois de manière à ce que nous diminuions la pression qu'a fait sous reste pied bois que nous étions. Mais ça me dit, moi, je dit que non pas gagner en éducation qui accède essentiellement sur l'environnement et donc faut que nous éduquions à l'environnement, faut que nous éduquions à la protection à de l'environnement. Parfois au quand on monte met ton camion sable n'importe côté et on côté sur notre chemin côté de l'eau après le passer et puis la pluie tomber de l'eau ça a dévié, il fait des gars ou bien le bouté sable là à le boucher et canaux qui pour transporter et de l'eau etc. Donc gon éducation à l'environnement pour gens mon traiter gens mon côté mon placer déchets par exemple mon compte placer c'est des chaînes n'importe côté, des ménages qui ont une capacité pour traiter mieux des chaînes ou bien juste voyer son terrain vide à côté. Donc il y a une éducation à l'environnement et ça, dès l'école, en fait, dès la plus jeune enfance, il faut non, c'est, nous c'est d'accord. Très bien. Mais je dis, on nous essaie de regarder en termes de chiffres que nous mettons sous des promesses, puisque si c'est une de nous qui arrive dans le Palais National le 7 février 2017, nous avons un budget reconduit. Et libre pour un petit temps, pour nous voir le budget ça devant le Parlement, on nous essaie de garder. Je dis, nous avons regardé avec PHTK, est-ce que nous avons un chiffre dans la tête, nous, côté, nous avons dit, mais à combien de budget a-t-il doué pour nous au moins bailler tout le monde service de base qu'il y a pas tant là. Nous gagnons des hypothèses de croissance en fonction de parce que croissance interne dépend aussi de situation économique sur la scène internationale. Nous gagnons plusieurs hypothèses, une hypothèse pessimiste, une hypothèse intermédiaire et une hypothèse en fait optimiste. En fonction de genre situation il y a évidemment l'état supposé réadapter. Ça qui est important en fait, c'est sous ce côté nous pour joindre l'argent. Yo. Par exemple, un paquet de dépenses inutiles qu'a fait qui pas nécessaire. Par exemple, t'es gombaï qui t'es fait pour exemple concret. Gombaï qui t'es fait dans le Parlement. Côté que on député non législature l'a passé trois quatre machines. Depuis on machine révèle crasé pour un. Ouais, je dis là, il y a un député me connecte des machines dans législature sortante là qui toujours les mêmes machines. Donc on pour que ça parce que c'est lié. Donc gon gens nous qu'a géré parc automobile là de sorte qu'en fait on y ont fonctionnaire qui arrive non poste qui doit en machine et puis qui est en machine personnelle l'état qui a arrangé pour fonctionner ça soit louer machine un fonctionnaire qu'on est machine pour lier la paye et gérer machine ou bien l'état fait l'achat en machine en fait et puis l'état a payé le machine là il qu'on machine après pour lier puis machine font déduction sur salaire. Donc ça qui est intéressant pour nous en fait ce sont les économies d'échelle qu'on va faire pour permettre que réduire train de dépenses l'état donc il y a une série de dépenses qui absolument pas nécessaires ou bien qui capable réduire donc c'est faire en sorte que l'État dépense moins pour nous canaliser et l'agence vers des secteurs prioritaires et l'un des secteurs prioritaires pour Jovenel Moïse la plus utile comme locomotive c'est l'agriculture de sorte qu'en fait l'arrivée qu'a fait programme atterri parce qu'en fait il y en a pas réellement besoin de faire un domaine agricole là c'est viabiliser en fait les terres agricoles de sorte qu'en fait des hommes d'affaires des entrepreneurs qui voulaient investir dans l'agriculture non zone par exemple ils disent pas planter igname que infrastructure y ait en là déjà
déjà et que lui-même les juste venir en fait l'investir et que retour sur investissement apparaît plus intéressant pour lui parce que il est plus rapide et que il y a tout intérêt pour la donne. Donc c'est utiliser l'état pour dit que il pourrait pas libre faire agriculture mais c'est créer en fait des incitatifs pour permettre que mon yo vienne investir la donne. Donc à travers ça qu'on y aura une croissance soutenue et croissance soutenue à permettre que l'état rentre l'argent pour capable financer développement pays pour capable financer éducation financer et notamment la recherche parce que son domaine nous totalement négligé et on pense que aucun pays va pas développer s'il limitait de côté la recherche et le développement. Très bien, monsieur Dessous. Bon, et certainement budget gain là, sûr que il pas en relation avec nous-mêmes ça ne l'avait fait. Ce qui fait que en année 1, bah l'apprentissage difficile pour nous parce que budget qui là pas répondre à ça que nous-mêmes nous gagnons comme programme. D'accord avec monsieur Luberus tout à fait que gagner des économies qui doivent être faites dans la mesure où effectivement nous pas gon budget et nous pas ouais de nouvelles rentrées qui te cap permettre nous espérer que nous capable gon budget beaucoup plus intéressant que ça qu'il a pour 2016-2017. Gombaye monsieur Luberus dit là qui très intéressant et me partager totalement point de vue avec lui pas seulement au niveau des parlementaires sur exemple machine dans le débran mais au niveau de l'État tout entier et ça mettez-moi en mémoire un engagement un candidat à la présidence était fait pendant la campagne et puis le jeune président il totalement oublié ça me songe président Matéli était en campagne il était promettre que monde c'est plus avec ti machine ti terios etc monde va plus fonctionner et on dirait que il y a une série de flottes de véhicules extraordinaires. C'est vrai que même le gouvernement qui provisoire là, j'ai l'impression tendance n'a pas tellement changé. C'est peut-être parce que justement nous entrons dans le circuit côté mounan dès que l'arrivée, non, on fonction d'État, livré que les gagnants de grands privilèges, c'est la grande Toyota, c'est et me penser que effectivement, si y a un parti politique, l'immandé population un mandat pour le capable bal service. Eh ben, pas quoi que, yo doué prend maigre souci gain yo, pour yo plus mette yo à l'aise, au lieu que yo t'a utilisé ressources yo, pour bailler population en service. Donc, n'a privé, certainement, première année à, la difficile, et c'est une raison qui fait que, nous se font tourner, l'an, Grand Nord et le plateau central, pas gain des promesses que nous fait, que n'a fait ça, n'a fait ça, n'a fait ça. Nous gagnons des secteurs côté nous dit bon n'a pas entré dans ça parce que même pour que raison n'a pas entré la donne mais qui service n'a porté par population mais n'a pas dit que nous pour faire l'église ça là nous pour faire route ça là nous pour faire jardin ça là parce que non moi je pense que il pas honnête dans la mesure où effectivement ou bien poser question bon budget qu'il a dit pas monter en fonction de priorité que nous gagnons, de besoins que nous censés analyser, qui t'a doué et satisfait, le niveau en pouvoir. Donc, n'a privé, bien sûr, a gagné des modifications qu'a fait dans le budget, fait une rectification là-dedans. C'est en année 2, vraiment, nous avons dit que n'a pas entré dans la mise en œuvre du programme noir. Et moi, je crois que, on va pas ajouter pour monsieur Luberus gain deux choix tout à faire ou capable gain en pile l'argent mais gain des choix en fait qui fait ça ou gain ou arriver faire des bails intéressants avec lui. M'a pour exemple sur gouvernement Matélien c'est vrai que gain des monde qui défavorisé et m'pas croire que un gouvernement Matélien capable beaucoup plus sensible que gouvernement Lavalas sur question peuple défavorisé je dis on programme et des peuples. Je te gagne un petit moment chéri, je te gagne l'autre. C'est pas comme ça. Attendez, on pensait que où est tout l'argent qui dépensait dans le programme ça yo? Si on te fait des investissements, par exemple, dans le secteur côté candidat à la présidence noire, démontrer des possibilités de gagner dans le programme banani, d'y rentrer la donne et à ce compte, m'a demandé est-ce que, comme citoyen, je vais préférer M. Jovenel Moïse comme homme d'affaires que président de la République. Peut-être pour moi, comme citoyen, il est capable beaucoup plus utile, l'homme d'affaires. Il est capable permettre nous gagner beaucoup plus de bon plus-value que nous sommes capables tirer de Jovenel Moïse, homme d'affaires, que président de la République. Donc, au lieu que vous ayez fait un kit à bain comme ça, qui pas
non, ou juste pour deux ou trois jours ou permettre li que le bon bagaille. Mais si c'est des investissements qui t'es fait dans le secteur agricole là, non seulement ça t'a permettre que emploi créé, mais en plus bon production que t'as pas sorti, et là mon nan te cap joindre une possibilité pour le jeune manger pour le manger. Il est beaucoup plus intéressant. Donc m'pense que gain question de augmenter assiette fiscale là, élargir plutôt pour capable augmenter revenu pour un budget beaucoup plus conséquent pour capable répondre à besoin population, mais de notre côté il faut faire les bons choix, faut gagner de bonnes priorités. Très bien. Mais non, ça me t'a ajouté concernant programme et des peuples là. Dans la région Haïti, c'est le dernier pays qui fait programme social de ce type. Donc République dominicaine il y a longtemps y a fait l'Équateur etc. Donc Haïti c'est le dernier pays qui fait. Nous t'as pas attendre que des gouvernements qui disent qu'il y a une plus sensibilité de gauche, il y a une plus sensibilité, ils ont le monopole du cœur, ben ils n'ont pas su le faire. Maintenant c'est EDP pendant il y a plusieurs projets, son programme pendant il y a plusieurs projets. Donc tu m'as mentionné son projet en dedans EDP, même genre restaurant communautaire, c'est un projet en dedans EDP. Généralement il dit là qu'il y a trois là dedans, quatre là dedans. Là qu'il y a cours étudiants, la Kembe entièrement chéri, la Kembe restaurant communautaire et puis la Kembe corée paysan. Gagne maman dans pays ça et gagne là de cap coûter. C'est sous grand gouvernement sous administration président Matelia première fois il rencontre l'état que même l'état rencontre avec eux qui sont dans fin fond section communale yo. Côté que yo gont ti moun qui pral l'école, yo pa gen pièce revenu, pa gen pièce espoir. Et à travers programme ça, il te vienne un espoir. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que Jovenel Moïse va faire? Jovenel Moïse va structurer ce programme de sorte que il devienne une véritable politique publique. Parce qu'en fait, c'était pas une politique publique parce que elle était anti genre mettait en œuvre à la va-vite et que je dis à la Jovenel Moïse en tant structure que si on va gagner, il pas besoin on plat manger chaud chaque jour, il pas besoin on 1000 gouttes qui tombent dans mes paysans qui ont des problèmes semences, il gagne là, il pas gagner. Donc l'état aljeune ba accompagnement, nous pensons que c'est très important, il faut continuer sur cette voie en structurant bien sûr le programme. D'accord, je vous l'accorde, d'accord. M'a tout n'a partagé. Moi m'a dit ça pour nous fait que famille Lavalas va le faire. C'est peut-être ou gagner, comme nous parlons de politique publique, qui cap à double vitesse. Effectivement, gagner une qui est capable pour satisfaire un besoin très très immédiat. M'apprend par exemple Corée étudiant. Corée étudiant, pour moi, gagne en pile l'argent que dépenser la donne. Mais s'il était à double vitesse, gagne petit service sur tes capotés by certains étudiants. Mais moi-même d'apprend quantité l'argent que t'es gagné. Pour que moi créer beaucoup plus de possibilités pour les jeunes, pour que leur fini cycle secondaire, qu'ils soient capables de rentrer à l'université, ils ne sont pas obligés d'aller, par exemple, en République dominicaine, côté qu'on l'argent, la capsule, tout qui prend là-bas. Parce que, entre, on dit par exemple, nous avons dépensé 100-200 millions de dollars américains au niveau de ce programme. À la limite, capable de 15 millions qui étaient cabalés là, des trucs ouais laptop ou en subvention yo bail certains étudiants qui est défavorisé, mais gros montant t'es cap investi dans les infrastructures côté que gain un campus qu'il a gain possibilité que étudiants vini gain restaurant dans en dans campus sans c'est ça le t'a quoi comme on dit candidat là pral structurer li même c'est l'idée ça m'ta cap ba nous. Et moi, bah, c'est gratuit parce que c'est ça de penser. C'est vrai, d'accord. Bon, gagner pour nous attaquer tout de suite, c'est vrai. Mais gagner de bail, puis look qu'on est capable de faire, capable de permettre étudiants. Parce que son bail est extrêmement grave. Nous avons une jeunesse qui là, qui vraiment, bah, je dis désespéré, mais il y a parlé devant. Ou t'as parlé de pessimiste, gagner milieu, puis gagner optimiste. On monte pas qu'à optimiste Jean-Bala est là. Mais c'est créer espoir pour que jeune nan dit bon, il y a quelque chose pour moi là. Je pense que dans 3, 4, 5 ans, possibilité me gagne. Je suis capable d'étudier, je suis capable d'aller même, je suis capable à subvenir à besoin moins. Plutôt, c'est ça, me joindre, possibilité de formation, parce que c'est pas tout le monde qui a possibilité pour voyer et petit étudiant en République dominicaine. Où qu'on s'écrivait nous? Nous avons une diaspora, nous, effectivement. Cap Kembe nous, sous garde et pourcentage et transfert diaspora en Haïti dans le produit intérieur brut, nous, c'est un bail extraordinaire qui dépassait tout, quel que soit secteur d'après, en lui-même seul.
l'argent rentre ici. Et puis, il sorti là, en République Dominicaine. Il rentre là, vous voyez l'argent pour famille, pour aider les gens qui sont habitués à faire. Et si ou même, ou pas un côté pour tout le monde rentrer, faire études universitaires là-bas, ou chercher un genre, et vous voyez la République Dominicaine. Mais il a l'argent transité. Oui. Il est juste transité ici, et puis là, il est. Bon, il y a des gens qui t'ont posé des questions, tout, et on petit détail, tout, sous l'université Fondation Aristide. Mais ça, c'était tout l'autre débat. Ajoutons un point concernant le programme encore étudiant. Il y a un problème étudiant rencontré, surtout les fins diplômés, c'est que ils ont expérience, ont tant d'expérience que ou pas gagne, ou pas gagne parce que vous faites diplômé. Donc qui paraît un petit genre absurde, les gens fait diplômé pour chercher travail, ils ont 2-3 ans d'expérience. Donc Jovenel Moïse comptait que dans programme étudiant bénéficiait un programme et corps étudiant pour faire des services civiques. Mm-hmm. Et des services civiques en fait capable servir de expérience en fait sous CV yo. Parce que généralement si nous pas confond rien donc juste au fin l'école classique à l'université puis il a besoin sur le marché du travail ou du mal il fait 2-3 ans donc c'est permettre que un service civique obligatoire pour toute jeune entre 16 et 26 ans mais permettre que étudiants yo participer la donne et de faire des stages par exemple qualifiés qui permettre que à la fin sous diplôme yo y a capable faire valoir une expérience professionnelle. Et par rapport avec diaspora, effectivement, diaspora représente un fonds important, un transfert d'affaires représente un fonds important pour l'économie pays, comme si Haïti apparaît même effondré s'il pas bénéficie de l'agence. Sauf que paradoxalement, le monde qui a vécu dans la diaspora n'a pas bénéficié de droits politiques totalement. Et donc, Jovenel Moïse besoin fait deux bagages fondamentaux. C'est permettre que dans le consulat, que Haïtiens ont bénéficié de droits civiques pour voter et permettre que Haïtiens ont participé concrètement dans l'économie. Par exemple, un Haïtien qui arrivait dans l'âge de retraite. Il a même venu à Haïti, mais il a tellement gagné longtemps pas venu à Haïti. Il a tellement pris un coup dans le monde qui a acheté des bouts de terre pour eux sans papier, etc. Donc, là, il y a un risque énorme qui pesait sur l'investissement parce que c'est l'économie d'une vie. Donc, l'État, après le en fait des villages dédiés aux gens de la diaspora qui veulent venir en Haïti, s'installer en Haïti. Par exemple, Mounsa, généralement, remérite dans zone côté gain côte, côté gain plage, c'est que l'État pourra viabiliser zone ça, et puis Mounsa qui besoin de venir investir, l'État garantit que la vini, la bon village de retraite, et que lui-même n'a pas capable de venir dans le pays, parce que rêve, puis fort Mounsa qui vient dans la diaspora, c'est retourner à la caillou un jour. Très bien, mais nous, à au moins 10 jours, les élections, déjà 10 jours. Oh, beaucoup oui. Plus que ça. Beaucoup plus. Oui, peut-être 15, 2 à 20. 19 à 20 jours. Bon, oui. 19 à 20 jours des oui. Élections. Mm-hmm. Et comment on a avancé là bon. Comme si Jean-Bertrand Rissap n'a tout si honnête, tout pas honnête. Pour ça, on est. De toute façon, au moins, je ne suis pas capable de parler dans la région de la Cali. Ok, dans le sud. Si la Lanoa, il y a une obligation. Qui est-ce qu'il y a dans le sud là fin semaine là. Ok. Comme probablement, il y a dans le nord, oui, on a continué, et d'autant plus que, à ce compte, bon, même Darimé dit, par rapport aux questions que. L'autre tape qui n'aime en commencement. Oui, c'est comme ça me prenne. Président Aristide. Lui accompagné docteur Marise Nassis qui candidat à la présidence pour Famille Lavalas. Moi suivre lui m'tendel échange que le fait avec population que rencontré yo. Les plus sur monde parler de l'amour, de l'union, de rationalisme. Moi, ça qui intéressait, c'est parce que moi, pendant que nous-mêmes, nous étions dans le plateau central, nous avons équipe Jovenel Moïse dans le nid, pour ne pas qu'on était gain côté hôtelier, et équipe l'autre Moïse, Jean-Charles, était dans le sud, qui l'autre monde qui était dans la grandance, nous avons été notre séance. Donc, vraiment, parti politique en campagne. Ce qui est de bonne guerre. Et là, moi déjà auguré d'une participation relativement intéressante, importante, et c'est là que la bombe pour payer à tout, le que grand pile monde qui levait à le voter. Tout à fait. Ça capable garantir justement sa capacité
étant entendu que c'est EPA l'a fait travail que rien pour le faire. Donc jusqu'à présent, je trouve assez intéressant, mais n'a pas permis de signaler que incident passé l'autre jour au Cap Haïtien. Ça qui passe. Très malheureux. Mais bat là, ça qui passe même. On fait ça. Non, mais. On bat là, mais. Non, mais. Mais vous êtes barou déjà. Vous êtes un compte tout bas. Non. Ça qui est. Est-ce que c'est vrai, ancien président, ou est-ce que Tomo et Jean-Charles? Bon, ensemble d'informations qui baillent, qui déforment. Bon, réalité, effectivement. Bon, m'a commencé à avoir Ogo Naïf. Bon, après. Cabaret qui dégaine. Moi, même pas de pensée dégaine toute population, ça, du côté de Cabaret, puisque c'est une petite commune, c'est une petite ville, et ton bagage extraordinaire. Ensuite, l'autre gros arrêt qu'une fait, c'est à Saint-Marc, que bagage tête chargée. Maintenant, arrivé au Gonaïve, on apprend que Cabaret dégaine une structure qui était parée pour recevoir, de même que à Saint-Marc, sur la place, et au Gonaïve, rien n'était prévu comme arrêt, de façon particulière. Président, l'arrivée Gonaïve, bon, ça, c'est lui-même qui était président et Aristide avec candidat à la présidence. Il est descendu, il est rentré dans le commissariat. Au grand sens, on me tendait après, président est tellement ouais que il va en sécurité et il courait à la commissariat. Mais ça, moi, me trouvait, c'est vraiment de la fabulation. D'autant plus que t'es chargé à mon dans la rue, qu'après les vues folies. Il est vrai que ça après. Mandez. Bon. Quelle question toute question me poser okay. Non, pas dit. Non, okay. Pas dit. Ça t'a fait le commissariat. Par exemple, moi comme moi était ministre déjà et j'étais même dans le cabinet président. Bon président, là on sortit avec lui, ouais quand t'es déjà campé, il dit ça que passer là, monsieur. Tout le monde t'a poulé normalement. Je dis ah c'est un PPP. PPP, je l'ai dit. Pause pipi présidentielle. Ok. Est-ce que c'est ton bail comme ça qui te fait président Aristide t'es rentré dans le commissariat? C'est possible. Mais l'autre jour, tout, là, le Pétionville, là, il est rentré dans le commissariat. C'est peut-être, pour lui-même, c'est Mounzao qui l'a pour bail sécurité, il est rentré le salut. Il te fait le Pétionville. Donc, c'est quand même bagarre là qui te fait. Maintenant, même sur la route, il y a des barricades, il y a des wasses, il y a. Si t'es une manifestation, c'est après le fin passé. Okay. Bon, on passe sous Gonaïve là. Maintenant, pour nous arriver au Cap Haïtien. Effectivement, avant même que Dr. Maryse Nassis, accompagné du président Aristide Rivet, et sous stand qui était érigé en l'occasion, de temps en temps, il y a deux ou trois, moi-même, les des énergumènes, avec photo Moïse qui a passé, vini en dans foule, monde qui était réuni, soit sympathisant, soit militant, famille Lavalas, capitaine et délégation en vini. Ils sont venus en première fois, la police fait déplacer, ils sont venus en deuxième fois, en troisième fois. Donc. Puis, c'est ça qui fait le décomposé, non? Non, vraiment, vraiment, même, bon le gain, c'est pas croyable. Non, raison à nous expliquer déjà, okay. Président. Son malaise. On joue très difficile, il n'est pas alimenté, il est déshydraté, donc, n'importe quoi. Et puis, on entend nous. Le président Aristide n'a plus 20 ans. Oui, 65 ans. Le poids de la vieillesse. Le poids de la vieillesse. Oui, tu arriveras là aussi, ma fille. Ok, ça va venir. Non, tout n'a pas passé, n'a privé là. Et, monsieur, le Kounia, docteur Maryse Nassis fin prend la parole. Et puis, l'invité président dit deux mots. Le président a commencé, l'a salué, parce que le président Aristide font bon temps, l'ELT jeune au Cap. Tout à fait. Collège Notre-Dame, l'a salué, Père Père Collégio, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, monsieur, c'est vrai, c'est dans le même moment que les énergumènes retournaient et ont fait l'obéir. Bon, maintenant, Dabdi, ça me trouvait le malheureux. Écoutez, et parti politique ou PHTK, c'est une organisation politique qui courait moi-même, organisation Famille Lavalas, n'a fait campagne pour demander à la population de voter pour nous. Non, chaque n'a fait pas nous. Ou cap fin passer là aujourd'hui, ou fait discours, très bien, de même passer, me fait discours. Mais maintenant, il n'est pas normal pendant qu'on fait discours là pour moun pas mieux t'as vini pour empêcher de faire discours. C'est ça que Petite Dessaline fait. Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment malheureux, c'est triste. Et, bon, leçon que Famille Lavalas baille, et m'a souhaité que toute l'autre partie politique apprenne leçon ça. Qui leçon? Écoutez. Lavalas, oui. Lavalas qui quittait mon avis passé, doit être l'enfigure comme ça. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que c'est la force tranquille. Parce que pour ça, la valasse représenter, eh bien, bah, là, t'es cap passé mal. Son provocation le déye, on a géré la situation. Mm-hmm. Heureusement, bah, yo fini, j'en le fini. Et on dit tout, les linges sales se lavent en famille. Et bon. Ça qui est encore là. Donc, moi, je crois que, et m'a tout fait appel là pour me dire que, parti politique, yo, si vraiment, c'est le pays d'Haïti qui intéresse nous, m'a crois que nous prenons le goumen en campagne électorale. Tout à fait. Toute bataille là, c'est sous l'idée liée. Nous avons un programme, nous avons cherché Vanni, que meilleur vendeur, la population entendait, lui répondre, nous avons marché. Mais question à chercher, troublé. Parce que bah, là, c'est mal passé vraiment. Non, tout à et fait. Personne n'a pas intérêt. Où est l'élection ça? Vital. D'une part. Non, c'est 54 n'est pas perdu. Je dis à la 27, nous n'avons pas d'accord perdu. D'une part, nous décidons de prendre l'élection nous en main. Et ça vraiment, c'est avec un pile difficulté, oui. La preuve, c'est que le gouvernement qu'il a, question, peuple là, il n'y a pas même qu'à adresser. Parce que toute l'argent censé passer dans l'élection, puisque Blanc te dit le pas financé. C'est déjà une bonne chose. Parce que son acte de souveraineté lié, question d'organisation élection, n'a pris le sud de nous, n'a poté. Et il y a tant de nous pis devant. Parce qu'ils mettent la tête sur que nous pas qu'à faire. Nous cap faire, c'est garder CEP que le fait travail que le gain pour le faire. Nous-mêmes, nous gain campagne pour le faire. Nous avons 20 programmes. Mais question yon a tiré sur l'autre là, ça, nous pas gagné aucun intérêt faire. Monsieur Libéris? Oui. La parole c'est pour oui, nous à au moins 20 jours de campagne là et on nous garde nous et comment quand nous on est là, nous dans mi chemin, nous sur route là, rapport UKREF là enfoncé nous pire aide et bon, rapport UKREF là, à part UKREF avec monsieur Privé qui connaît rapport ça, pas quelqu'un qui connaît dedans encore. Et non, c'est une super chérie, ils ont tout essayé et ils ont produit toutes sortes de discours autour de Jovenel Moïse, donc ça va marcher. Peuple a pas connait ça, peuple a connait seul bagage. Quoi, peuple a quoi dans capacité Jovenel Moïse gagne pour les capables changer pays d'Haïti. Parce que l'important, c'est pas qui ça, on m'en a pensé faire avec institution. Un pays où des institutions déjà faibles pour chercher à vassaliser institution, c'est carrément honteux. Donc, on ne commande pas ça. Je dis à là, c'est que Jovenel Moïse fait, gagne pour projet pour le faire 145 communes. Il fait déjà 6 départements. Donc, dans chaque département, il fait toutes communes et parfois il fait grande section commune. Oh, elle passe bien à tel basé. Bon, l'essentiel, il fait. Non, pour détail. Elle passe bien à tel passé. L'essentiel. Parce que pour moi, je saute Port-au-Prince, l'asile, ça prend au moins 8 heures de temps. Si je saute là, 7 heures du matin, je m'abrive la caméra l'asile à 5 heures et demie. Si la pluie va tomber, Kounyamdou, est-ce que ça, elle fait ou bien à tel basé? Il faut s'arranger pour arriver à atterrir pour jour. Lorsqu'on projet, il faut qu'on arrange jour pour capable briver. Ça veut dire que vous faites bon secret. Bon, ben, vous voulez, Justement. Et donc, Jovenel Moïse, et vous avez testé, m'a dit que dans tous les départements qu'on est allé déjà, au Grand Danse, Sud, Nip, Nord-Ouest et Sud-Est, et m'a dit est-ce qu'il fait toute communion. Le peuple a dit oui, Jovenel Moïse fait toute communion. Et donc, la continuer comme ça, parce que l'important pour le peuple à comprendre que tout le monde est capable de voter pour qui ça est supposé voter pour un candidat. Ouais, candidat, tant des projets, tant des discours, c'est un exercice très important dans la démocratie. Évidemment, par exemple, Tiot, t'es gagné un candidat qui t'a laissé faire même ça et petit Dessalines t'a le fait dans un meeting et famille Lavalas. Nous pensons que c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'en fait, décret électoral là clair, libère chaque candidat possibilité pour aller dans chaque coin d'un pays pour le vendre programme. Ce n'est pas parce qu'on empêche un candidat de faire un meeting, c'est pas pour ça voter pour vous. Au contraire, candidat supposé qu'a fait meeting, libre. Si nous avons construit un pays, et pas laisser arranger nous, comme si pour nous d'accord, et puis laisser pas arranger. Non, c'est qu'en fait, il y a des principes à défendre. Le principe, c'est qu'en fait, en démocratie, c'est débat d'idées. Monde supposé qu'a fait meeting, partisan candidat, pas qu'à intimider l'autre candidat, ça ne se fait pas. Et nous-mêmes, nous, toujours demander ces partisans, nous, pour garder calme, pour faire débat, pour expliquer que si on est beaucoup et jamais dans nord-est mais même dans nord-est pour aller visiter pigo ferme agricole biologique qui est dans Caraïbes là c'est Jovenel Moïse qui fait le nèg l'arrivé il saisit dernièrement mal en réunion et puis il y a un monsieur qui là qui non camp adverse comme si tout nèg a demandé ça mais ça fait là est-ce que tu as supposé parler monsieur à un moment bail là tellement gêné monsieur campé monsieur dit nous pas besoin de ça nous même je dis ça avec Jovenel Moïse mieux parce que nèg ça là il te prend même dans nord-est les mouvement dans nord-est me dit ça avec son agronome moyen les mouvement dans nord-est me dit ça Jovenel Moïse fait dans nord-est là ça
c'est ça me veut le faire dans pays ça avec mia candidat me dit qu'il est. Donc son bel témoignage et nous penser que qui basé sur action, sur discours et pas sur intimidation. Ça veut dire qu'on est gris font plan banane. C'est pas un plan banane ni fait non madame. Plan banane. Ou quoi je m'en dans l'audace. Bon, là on fait un champ banane, ça veut dire radical. Mais ça le fait même. C'est tout un modèle. Il a développé un modèle, un modèle économique. Bon, j'en dis là. Il a développé un modèle économique. Pas problème. Là on est fait sortir donc on va confier le pays pendant 5 ans. Là on est poté. Mais pas vrai, mettre bail pour dire pas ça. Bon, sortir est-ce qu'on va confier le pays pendant 5 ans. Là on est poté en vision donc Jovenel Moïse. Là on est lui-même, il sorti bas côté, il sorti à lui réussir, il projeté tête lui comme un modèle. Là on est arrivé, il joint un paquet de paysans qui sont paquet de silopentec qui bataille entre eux, il prend 3000 là-dedans, il met ensemble. Il dit que jodi à la chaque monde ça on plat descend, on repas descend chaque jour et puis on salaire correct. Il dit que ça a besoin de dupliquer dans tout pays. C'est rare. On n'a pas ça tous les siècles. Quand on a ça, il faut en profiter parce que Haïti sera en fait la grande gagnante. Très bien. Vous me remerciez. Non. Oui, tout petit. C'est de bagages. Oui, monsieur Liberis. Ou à bonne raison, oui. Moi-même, comme citoyen, Jovenel Moïse, comme homme d'affaires, m'a 100% avec lui. Mais ce n'est pas parce qu'il réussit comme chef d'entreprise ou bien homme d'affaires que comme président de la République, c'est autre chose. Une deuxième balle, c'est par rapport à question Ukraine là. Nous gain ni moi-même ni vous-même nous gain intérêt pour nous protéger institution nous. Sous rapport que chotien, bon, jusqu'à preuve du contraire, Ukraine là c'est une institution qui là justement pour faire travail que l'IFEA qui fait le sorti rapport. Maintenant, si monde que rapport a touché a, li gagné à redire de rapport a gagner possibilité pour le capable justement mander compte à institution ça mais nous pas pas traiter Ukraine là comme si son on, comme si même comme, si comme si même je traiter Paul Denis après 2004 comme si c'est une institution qui vassalisée madame Dili c'est même gens pour coucher elle est vassalisée c'est même gens avec coucher des comptes jusqu'à ce que ça prouve le sorti un rapport de débat ou bien un rapport favorable, eh bien, m'obliger en tant que citoyen qui croit dans l'institution, me dit bon, m'a prends ça. Si vous me poursuivez, m'a poursuivez. Mais autant que possible, faut nous protéger l'institution. Pour l'instant, cette institution a été vassalisée. Et c'est autant de cette histoire. Monsieur Sounel Jean-François, je pense que l'été plus ou moins gagne une bonne notoriété dans le pays. Li fait un erreur qui était un soi-disant organisme de Amoun poussé à le convoquer au ministre de l'Intérieur. Premier ministre d'alors, qui était M. Belrive, dit que un ministre là, il était redevable devant la Haute Cour de Justice, donc ils font mise à pied pour M. Jean-François, Sonel Jean-François. Et il se trouve que l'organisme de Amoun, ça, soi-disant de Amoun, t'es besoin de ballon récompense. Qu'on y a comme si y en a avec Pierre avec Pierre Espérance moyen avec Pierre Espérance moyen et donc on qui bras droit privé qu'on y a qui besoin font travail contre Jovenel Moïse parce que monsieur ça y a pas attendu ou pas ouais y a pas voulu voir Jovenel Moïse et donc qu'on y a utilisé c'est malheureux comme si l'on cadre maman vaut l'école ou qu'on autorité dans la société pour prendre la guerre là c'est ça qui fait mal c'est pas comme si on institution tant qu'il crève non pays côté que gain effectivement soupçon de crime financier un peu partout côté que institution ça a supposé concentrer pour travail pour bailler population pour bailler pays à résultat pour arriver là et nous dit que c'est détruire l'image des hommes c'est détruire aussi l'image de nos institutions dit nous c'est pas seulement dit ça et pas de preuve nous venir et merci à vous monsieur Dessous c'est ça a été un plaisir bon travail bon vraiment. Courage oh non on en a assez et pour le pays pour la patrie ça n'y est pour nous faire un appel n'a pas avancé et nous croyons que bon, n'en déplaise à mon camarade d'en face, mais vraiment, je suis content de partager avant. Et 7 février, je Dr. Marie Nassissa va entrer dans Paléa parce que. Avec Titi de Bocotel. Mais son obsession, bah, ça mais est. Mais non, mais c'est pas non, ça, non, moi, non, tout le temps. Non, c'est accompagner la compagnie. Ah oh, là là, je c'est pas vrai. Ça, c'est un plaisir, non, monsieur Lubé. C'est ton plaisir. Et dépoter tout le monde. Merci, tout le plaisir est à moi. Merci en pile. Et pas oublier, 9 octobre, voter Jovenel Moïse, n'est pas non seulement qu'il y a un projet pour changer pays. Ça. Non, mais faut me permettre de faire ça tout. Non, faut me permettre de faire ça tout. Non, il y a raison, parce que peut-être que Mounio pas connaît assez. Non, 54 là, on connaît déjà. Donc, c'est Dr. Marie. Merci un pile et bon